qu'on a choisi de retenir, Eric, c'est ton band, un de tes, mais peut-être le, ton band préféré. OK. Okay. Ça a toujours été les Rolling Stones jusqu'au... C'était le 21 ou 28 mai 2007. Uh-huh. Je pense que c'est un des deux. Là, ça je ne m'en rappelle plus. C'est un groupe que j'avais connu à travers avoir entendu leur nom dans un film qui s'appelait Dig, à propos de d'autres bands que j'aime. Puis là, j'avais entendu le nom Black Rebel Motorcycle Club. C'est un nom qui te reste. T'entends ça une fois. Donc, j'avais checké quelques chansons sur Internet, puis je trouvais ça bon. Puis là, ils jouaient à la Tulipe, juste à côté de chez moi. T'as 4 minutes de chez moi, là, à pied. Les billets étaient 20$. 20$, taxes incluses. Je suis sorti de là, je connaissais déjà des chansons par cœur, après un show. Ça a changé ma vie. Ils ont une façon d'écrire. Là, les autres fois, quand ils sont venus, en 2010 puis en 2013, moi, j'arrivais là à midi, en même temps que leur autobus de tournée. Je prenais des photos avec, je leur donnais des CD. Puis même, je les disais, parce qu'ils sont deux, c'est comme Kiss ou les Beatles, c'est deux chanteurs principaux. Ouais. Pas un. Puis je leur disais que quand je jam avec mon band, si j'ai besoin de paroles rapides, puis je sais pas quoi dire, j'utilise leurs paroles. Vos paroles. Les paroles aux autres. Donc, c'est, ils ont une façon d'écrire, sont très atmosphériques dans leurs chansons. Puis capote sur eux autres. On va capoter en groupe grâce à toi, Eric. On est allé piger dans leur matériel. On remonte en 2001. Spread Your Love. Oh, so, we have to play this song. Black Rebel Motorcycle Club. Spread Quel your bon love. Choix! We'll be right back.
l'inspiration musicale de The Ramblers, Black Rebel Motorcycle Club. Ça s'appelle Spread Your Love. Vraiment grâce à vous, les gars, qu'on a pu jouer au retour. Influence musicale importante dans votre parcours. On l'a dit en début de conversation.